Mais qu'est-ce qu'il y a? Taisez-vous! Liberté, c'est toute l'existence. Mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances. Les travaux, les bureaux, les maisons. Ai-je raison? Alors disons. Mon vieux copain, la vie est belle. L'air pur est bon pour la santé. Allez.
Pardon, monsieur. Alors, monsieur, pour ça. Bon, mon Dieu, je vous laisserai ça pour 8 francs. Oh non, c'est trop cher. Mettons 7,50. 7 francs. 7 francs. Ah ben, c'est bien pour vous, vous savez. 10 francs, monsieur. 7, 8, 9 et 10. Merci. Bonjour, monsieur. Merci. Dites donc, patron. Vous auriez du mouchoir. Du mouchoir? Oui. Oui. Du neuf. Ah, du neuf. Je vais voir par là. Sont-ils partis? Par là. Monsieur, monsieur. Monsieur. Vous avez laissé tomber votre portefeuille. Oh, merci, monsieur. Mais de rien, monsieur. Vous êtes bien aimable, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. À l'avantage, monsieur. Madame, un appareil vous intéresse? À l'intérieur, nous avons le meilleur choix, le dernier modèle. Vendeuse? Voyez, mademoiselle, tenez, ça ne coûte rien. Allez vous rendre compte par vous-même. Thank you.
Tu ne travailles pas? Tu ne sais donc pas que... Le travail est obligatoire. Car le travail, c'est la liberté. Je veux m'en aller.
C'est tout ce que vous savez faire. Mais vous n'avez qu'à mettre vos pommes de terre ailleurs, monsieur. Juste que je vous demande votre avis. Oh, mais vous ne savez pas qui je suis. Hein? Ça va. Ça va. Pardon, monsieur. Vous fichez-moi la paix. Je vous défends de parler à ma nièce. Allons, file. Laissez-moi. Allez-vous-en, puisque vous vouliez vous en aller. Vous qui désirez un emploi. Attention! Levant! Marche!
Tiens, regarde. Oh, alors, viens, toi. Non, je l'entends pas. Non, qu'est-ce que c'est? Tiens, regarde maintenant. Je vais bien. Tiens, attends, je vais bien. Non, mais c'est pas réveillé, mais non, je vais pas vous réveiller, mon Dieu. Voyons, mon enfant, il faut être gentil avec moi. Oui. Oh, Jacques, Jacques! Mademoiselle, regardez tous ces gens-là, ils sont fous. Qu'est-ce que vous avez? Mais si vous pleurez. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'en sais rien. Ça veut rien. Non. Vous avez vu quelque chose, vous? Je ne comprends rien, ils sont arrivés tous sur moi. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous? Bah, ils m'ont empêché de placer ma pièce au passage, alors j'ai dû courir après le plateau pour pouvoir... Oui, 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 oui. Et vous, qu'est-ce que vous avez à me raconter? C'est lui qui m'a gêné, je pourrais pas mettre ma pièce. Là. Alors, et vous? Ils me sont tombés dessus, tous les trois. Pour les trois? Oui. Alors, vous êtes un de ces trois-là? Moi, j'y suis pour rien, c'est ces deux-là. Ces deux-là. Je peux pas régler mes affaires. Alors, c'est vous? Moi? Pas du tout, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé. Mais où est-il, celui-là? Je sais pas, moi. Vous ne savez pas? Bonjour, mon vieux. Bonjour, mon ami, bonjour. Vous désirez quelque chose? Ben quoi? Tu me reconnais pas? Pas du tout.
C'est une plaisanterie, ça. Qu'est-ce que c'est que ce type-là? Émile. Tu te rappelles pas, Émile? Ah oui, oui, oui. Je comprends. Tu ne veux pas que les autres sachent... Ça va! Allez, allez! Mon cher, nous n'avons pas de temps à perdre. Attends une seconde. Ce garçon a certainement quelque chose à me dire. C'est assez drôle, du reste. Suivez-moi, mon ami. Oh, moi, je suis pressé. Il ne faut pas rester là, non? Dites-moi, cher ami. Nous avons encore quelque chose à vous demander. Oui, oui. Une minute, messieurs, je vous en prie. Ah, ça, par exemple, c'est formidable. Pas ordinaire. Ben, on a tout. Messieurs, qu'est-ce que vous faites là? Partez. Ah, bon, bon. Eh ben, partez, vous deux, là. Ah, bon. Partons. Eh ben, partez. Et puis, dépêchez-vous un petit peu, hein. Dis donc, mon vieux, comment ça s'ouvre, ça? Pourquoi tu veux ouvrir cette fenêtre? Mais c'est pour rendre un scandale, tu t'imagines? Mais que non. Ça ira mieux après, tu auras un mot de... Mais non, c'est pas ça! Écoute, Émile! Émile! Non, non! Reste là! Lâche! Émile! Émile! Ah, méfie-toi, tu sais! Si au bout de toi, tu ne viens pas, je te brûle la cervelle! Un! Deux! Tu ne peux pas venir! Trois! Allez, viens! Là, tu t'es fait mal, hein. Ça devait arriver, ça. Et puis tais-toi, hein. Prends ça. Pas assez, t'en veux davantage. Tiens. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Allez, et que je n'entende plus parler de vous, hein. Quel idiot! Comment le trouvez-vous? Notre ami est admirable. Admirable. N'est-ce pas? Comment trouvez-vous Louis sur ce tableau? Magnifique. Vous parlez sérieusement? Non. C'est scandaleux.
Et pendant que le mari travaille. Mais ma chère, ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Mais c'est une grue. Et lui un parvenu. Attention, elle nous regarde. Je suis navrée, Louis n'est pas encore là. Mais chère madame, nous l'attendrons. Cela ne fait rien. Oh, comme il est tard. Il faut l'excuser. Il travaille tant, il est si occupé. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et voir. À nous la liberté. Ben, tu ne manges pas, qu'est-ce qu'il y a? Si, mais comment, mais si, mais si. Tu es là, là, comme ça, tu le regard dans le vague. J'en ai pas mangé de gâteau. Pas du tout. Je suis vraiment navré, croyez-le. Je mange. On a tellement de mal à te faire servir. Ça ne doit pas tâcher, c'est du sucre et du lait. Alors, ça ne tâche pas.
Tiens, il ne pleut plus à présent. Allez, allez, va. Chère madame, je suis désolée de ce qui s'est passé, vraiment. Oh, j'en ai assez, j'en ai assez. Écoute, chérie. C'est entendu. À demain. Au revoir, madame. Oh, mais dis donc, il te va bien, mon habit? On dirait qu'il a été fait pour toi. Enfin, presque. Ah, ça vaut pas ça, hein, sans blague. Hein? Ah, ben non, mais dis donc, toi, tu te permets? Attends, non, mais je bon, tu sais, si je voulais savoir. Louis! Quoi? Votre conduite a été telle ce soir. Ça va, qu'est-ce que tu veux, de l'argent? Va t'en donner de l'argent, tiens. Muf! Ah ouais, bah si, prends-le et puis biche-moi la paix. Tiens, c'est pour toi. Ça va, prends-le. T'as vu ça? T'as vu ça? T'as vu ce que tu fais savoir? Alors, il ne te plaît pas celui-là? Non. Ben, attends, je vais te voir. Oh, allez, tiens, attends, à moi. Oh, hein. Non, non. Attends, tiens. C'est mon tour maintenant. Il n'y a plus rien. Oh, attends, tiens, regarde. Bim! Ça y est, c'est moi qui gagne. Partout, si l'on emploie l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et voir. Alors, comment ça va? Ça va. Mais tu reconnais pas les amis? Tu sors de là? Oui, je viens de chez un ami. Ah, chez un ami. Est-ce que madame désire que j'éveille monsieur? Non, c'est inutile. Alors, j'espère qu'on se reverra, hein? Oui, oui, mais aujourd'hui, je suis très pressé. Mais te sauve pas! C'est madame qui s'en va? Oui, monsieur. Non! Eh bien, qu'est-ce que vous avez resté là? Vous n'avez pas d'autre chose à faire? Eh bien, entrez, vous voulez entrer, entrez! Thank you.
notre nouvelle usine entre en activité demain. Le premier mois, elle produira par jour 2000 phonographes de ce modèle. Deuxième mois, 3000. J'espère. Qu'est-ce que vous voulez? C'est bon. Messieurs, nous reprendrons cet entretien tout à l'heure. Ah non, il faut... De... Il exagère, mon cher. Oh, ça devient insupportable. Qu'est-ce que c'est que cet individu? Tout ça, plus rien, alors. On ne peut pas durer comme ça, c'est un vrai... Voyez, voyez, qu'est-ce que je vous disais? Non, mais est-ce que tu vas m'embêter longtemps comme ça? Tu te rends compte de ce que tu fais? Va-t'en d'ici. Je ne veux plus te voir dans l'usine. Allez, va! Non, enfin, qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Non, non. Alors? Ben voilà. Je voudrais rester à l'usine. Oh, volons, ben monsieur le Solango, je peux pas te voir, voyons. Et pourquoi veux-tu rester à l'usine? C'est... Je suis amoureux. Non. Si, si, si. Et de qui? Ben voilà. D'une jeune fille qui travaille à l'usine. Approchez, mon ami, approchez. Monsieur le directeur. Eh bien, mais où va-t-il? Mais je suis là, monsieur le directeur. Pas vous, lui, approchez. Mais vous aussi. Oh, pardon, tous les deux. C'est bien votre nièce? Oui, monsieur le directeur. Monsieur désire l'épouser. Monsieur est mon ami. Vous comprenez? Très bien, monsieur le directeur. Mademoiselle, le directeur vous demande. Le directeur? Quel directeur? Le grand directeur. Ne vous inquiétez pas des questions d'argent. Voici sa dot. Merci, monsieur le directeur. Oh, pardon. Mais non, voyons. Eh bien... Oh! Voulez-vous me permettre? Écoutez, je voulais vous dire... Rien. Allez. Voulez-vous...
vous marier, mademoiselle. Mais... Évidemment, monsieur le directeur. Un de mes amis désire vous épouser. Oh non, vous savez, monsieur. Comment on... Tu me disais encore l'autre jour, voyons. Oh, mais je n'ai jamais... Monsieur le directeur, veuillez l'excuser aujourd'hui. Elle est un peu intimidée. Ça s'arrangera. Je compte sur vous. Soyez sans crainte. Mon ami est un garçon charmant. Je le connais. Mademoiselle, je suis sûr que vous changerez d'avis. Oh, je ne crois pas, vous savez, monsieur. Allons, allons, allons. Viens. Viens. Ça s'arrangera. Je ne comprends pas. Tu as une occasion unique. D'ailleurs, si tu nous... Viens, ma petite. Viens. Soyez sans crainte. Elle acceptera tout. Tout. Tout ira bien. Merci. J'ai parlé à la jeune fille. Oui. Je te raconterai ça. N'est-ce pas? Mais oui, monsieur le directeur. D'ailleurs, ma nièce me demande qu'à mieux vous connaître. Oh, je suis bien heureux. Oui. Et si vous voulez venir ce soir, voulez-vous me permettre, monsieur le directeur? Voilà. Si vous voulez venir ce soir... Alors, tu dînes à la maison? Ah non, moi j'ai mon rendez-vous. Ah oui, et moi j'ai des invités. Alors à demain. À demain. À demain. C'est le grand jour. C'est l'inauguration de ma nouvelle usine. Et moi demain, j'espère bien que c'était mes fiançailles. Alors, tout va bien? Tout va bien. Au revoir. Au revoir. Firmin! José! Ben ça, il n'y a personne ici. Mes chers amis. Qu'est-ce qu'il y a? Thank you.
vu. Vous partez déjà? Non. Maintenant, parlons sérieusement. Mais on est là pour ça? C'est bien comme ça? C'est bien. Laisse ça. Non. Si nous parlons, tu perds tout. Ta situation, ta fortune, c'est ça qu'il faut partager avec nous. Ah, c'est ça. Seulement. Messieurs, qu'est-ce que vous voulez faire ici? Comment est-ce que nous allons faire? Oui. On est venu nous chercher en disant qu'il y avait des malfaiteurs dans la maison. Oh, des malfaiteurs! Mais c'est une blague, ce sont des camarades à moi qui ont organisé ça. Et ces imbéciles vous ont dérangé. Oh, excusez-les, messieurs, je vous en prie. C'est bon. Mes excuses, messieurs, mes excuses, allez. C'est moi, j'avais cru bien faire. Toujours, évidemment. Qu'est-ce que vous faites là? Vos papiers. Vous
Quoi? C'est une blague? Moi, je crois qu'on est bon. Ah, mais ça y est? Non. On vient à faire pour un support. On est fait comme des rats. Ça va mal, mon vieux, ça va mal. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis repéré, je peux être dénoncé d'un moment à l'autre. Et alors? Alors? Bah, faut tout préparer pour le départ. Qu'est-ce qu'on entend, là? Oh, bah, c'est peut-être les agents, ils me poursuivent. Bourre d'idiot! Va vite fermer la porte du bureau, va vite! Venez par là. Il y a la lumière. On va voir. Suivez-moi. Vous désirez, messieurs? Rien, monsieur le directeur. Seulement, un individu s'est introduit dans l'usine. Un individu? Alors, on le cherche. Mais vu personne. Enfin, cherchez, messieurs, je vous en prie, fouillez, cherchez. Quelle caisse? Mais la caisse qui était là. Oh, je viens de voir un type qui l'emportait. Venu faire ici? Mais on... Nous sommes des amis au directeur. Ah oui. Oui. Mais c'est avec lui qu'on est venu ce soir. Ah oui, ça va. Pas vrai, mon vieux. Pas vrai. Alors tu n'as rien d'autre à dire. Si tu n'interviens pas, on nous embarque. Mais tu nous rejoindras bientôt. Alors, à bientôt. Au revoir. Allez, monsieur l'inspecteur, je vous en prie, regardez ça. Oh ben, on verra ça plus tard, allez. Emmenez-moi ça, emmenez-moi tout le monde, allez. Emmenez tout le monde, allez, allez. On verra. En avant.
Dans notre nouvelle usine, les hommes n'auront d'autre travail que la surveillance des machines. Seule la machine travaillera. Nos phonographes seront fabriqués par elle. Organisation, progrès, voilà notre devise. C'est elle qui a fait le succès de nos entreprises passées, comme elle fera celui du nouvel organisme qui va se mettre en marche devant vous. Si vous voulez bien couper cette guirlande... Si vous voulez bien couper cette guirlande... Coucou, couper. Oui. Très bien, merci. Si vous voulez bien me suivre... On s'occupe de rien. Et voilà. Félicitations, mon frère. Vraiment, c'est merveilleux. Mesdames, messieurs, en ce jour solennel, où la machine vient de prouver que si elle peut remplacer la main de l'homme, elle peut remplacer son cerveau. Permettez-moi de rendre hommage avant tout au puissant créateur qui préside aux destinées de cette usine. Cet homme, qui malgré ses débuts modestes, a su acquérir une place qui lui assure l'admiration de tous ses contemporains. Cet organisateur, dont le nom restera indissolublement attaché à l'histoire du phonographe, ce philanthrope, ce grand citoyen... Cette canaille, cette vieille crapule, c'est bien lui. Vous le reconnaissez? Je pense bien que je le reconnais. C'est moi qui l'ai arrêté. Oui, ben, si vous voulez l'arrêter de nouveau, vous pouvez vous dépêcher. Maintenant qu'il est averti, il va se tirer. Il vous attend pas. C'est bon. Allez là-bas. Ces minutes historiques... Je sens le regard de feu de l'avenir se diriger vers la flamme éblouissante du présent. Messieurs, à présent que la mise en marche de cette usine a couronné mon œuvre, je n'ai plus rien à faire parmi vous. Je vous quitte et je fais don de mes usines à tous ceux qui ont collaboré avec moi. C'est pour eux que les machines travailleront. Quant à moi, le destin m'appelle vers une autre route. Aujourd'hui où je vois cette foule, l'horloge, 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 l'horloge.
et des élites ouvrières qui se dressaient autour de la tribune. Quand on est fait pour courir les chemins en attendant d'être assagi par l'art. Contentons-nous d'amour sans lendemain, c'est le destin, mon vieux copain. Mon vieux copain, la terre est ronde, les femmes sont de tous côtés. Quand nous verrons le bout du monde, il
soeur.